Bonjour à toutes les brodines, bonjour à tous les brodeurs, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis, sur le 10 décembre 2020. Et aujourd'hui on va s'intéresser au nouveau formulaire que nous a envoyé la Katchoupi pour nous demander ce qu'on a pensé de la collaboration avec Dragon Ball Heroes. On va en parler les amis comme d'habitude, le petit pouce bleu de soutien, le petit abonnement sur YouTube et n'hésitez pas à me suivre sur Twitch les amis, le lien se trouve dans la description. Et puis je rappelle que j'ai une petite chaîne dédiée au Let's Play, jeux PC et console, le lien se trouve dans la description. La chaîne s'appelle sobrement Brice Multigaming. Oui, je suis très très fort en titre. Bon, alors, régulièrement, il nous envoie ce petit formulaire pour savoir ce qu'on a pensé de telle ou telle célébration. En général, ils envoient ça après une grosse célébration. Hein, c'est souvent l'anniversaire, la célébration palier. Et là, pour Dragon Ball Heroes, ils ont considéré ça comme une célébration majeure. Tiens, 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 tiens. Bon. Alors, le contenu de la campagne de collaboration de Super Heroes vous a semblé-t-il suffisant? Oui, ça va, ça va, ça va. Bah, en fait, si on compare par rapport à ce qu'ils font d'habitude, oui, il n'y a rien de... Après, bon, si je vais être un peu chiant, je vais faire plutôt plutôt insuffisant. Ça manque un petit peu, tu vois. Bon, en fait, en vrai, j'aurais mis suffisant. Parce qu'en fait, si on regarde ce qu'ils proposent d'habitude, c'est toujours la même chose. Donc, on va dire que s'ils considèrent ça comme une célébration, entre guillemets, majeure, avec les oreilles de lapin, oui, dans ce cas-là, plutôt insuffisant. Quels sont les événements qui vous ont plu durant la campagne événement d'Okan? Alors, plusieurs réponses. Événement spécial, alors peut-être l'événement spécial, non, pas très du temps. Après, il était pas forcément très difficile, même si c'est pas forcément évident. En fait, si tu pars avec une bonne catégorie, ça passe, si tu pars avec une catégorie moyenne, ça passe pas. Donc on va dire que l'event était quand même un peu dur. Indiquez pourquoi vous avez apprécié ces événements, réponse facultative. Un peu de difficulté. Ça fait plaisir. Voilà. Bon, quels sont les événements qui vous ont pas plu durant la campagne? Bah, pas plus, je dirais aucun en vrai. Je vais pas commencer à cracher sur du contenu, il y en a pas beaucoup. Indiquez pourquoi vous n'avez pas apprécié cet événement. Bah, pas de réponse en particulier. Avez-vous invoqué? Mais bien sûr qu'on a invoqué. On a Végéto 100% sur la JAP et sur la globale, on a. Vegeta Covid 100%, enfin presque. Bon, suivant. Alors, pour les personnes qui ont répondu oui à la question 10, pourquoi avez-vous invoqué? Il y a des personnages que je voulais que j'aimais. L'amour. Je trouve attrayant les caractéristiques des personnages. Je voulais simplement obtenir des nouveaux personnages, peu importe lesquels. Les trois peuvent être peut-être choisis. Malheureusement, je crois qu'on est limité à un. Oui. Bon, on va dire qu'il y a des personnages que je voulais, les SJ4. Les SJ4, après j'aurais pu mettre aussi, je voulais obtenir des nouveaux personnages parce que en vrai ce qu'ils ont proposé c'est que des personnages inédits. Majin Towa, Majin Dabra, le bal masqué Covid Vegeta avec son daron, tu vois c'est que des nouveaux personnages, ils n'existent pas. Du coup ces personnages là te demanderont à chaque fois des vieux Kai, des Daikai, des Kai Soupi pour monter d'un spé parce qu'ils sont uniques. Bon, on va mettre cette réponse-là. Qu'attendez-vous pour la suite de la campagne de la collaboration avec Super dans le besoin? Alors là, les amis, parce que oui, je connais déjà les questions, mais justement, je voulais refaire devant vous pour en discuter. Des personnages LR issus... Je m'attendais d'ailleurs à une seconde partie avec LR. Avec Végéto et SJ4 Limit Breaker, par exemple. Des personnages issus de la collaboration qui peuvent atteindre un ZTUR, oui. Oui, ça oui. Un Battlefield, oui. Bataille de combo acharné. Combo acharné, c'est quoi de nouveau? Ah, c'est le... Ok, c'est le... Ok. Super Battle Road Suprême, oui. Invocation contenant des personnages issus de la collaboration déjà sortie. Oui. Bon, on va tout cocher, hein. Événement permanent obtenir des sphères d'attitude, oui. Des événements permanent obtenir un personnage, événement, histoire... Oui. voilà. Bah, LR, ZTUR, personnages qu'on peut dropper, Battle Road,
combo acharné, Battlefield, oui. Il faudrait que... Enfin, moi, personnellement, je dis oui. En vrai, ça fait du contenu en plus, en fait. Et comme l'univers de Dragon Ball Heroes, il est sans fin. Qui dit sans fin, dit contenu sans fin aussi, on peut dire ça. Ils ont fêté les 10 ans, donc ça veut dire que la licence, elle fonctionne. Elle cartonne, le public est là. Et même si ça nous fait des personnages un peu what the fuck, mais voilà, ça fait un peu de nouveauté parce que... Bon, Dragon Ball Super, ça s'est arrêté pour l'instant. Ça manque un peu de nouveauté en termes de personnages. Hein. Les gens qui disent oui, il y a toujours Végéto qui pop. Oui, mais les gars, à un moment, s'ils nous sortent Garlic Junior demain, tu crois que les gens vont invoquer ou pas? Non, ils vont pas invoquer. Donc c'est. Voilà, donc faut être honnête aussi. Donc là, les gens ont quand même invoqué, parce que bon, ils ont vu Végéto et CJK, ils ont dit ah oui, alors là. Ils ont vu Gohan et CJK, ils ont dit ah là, ok, d'accord. Donc oui. On peut cracher sur Dragon Ball Heroes parce que c'est what the fuck, c'est tombé du camion tout ça. Mais en vrai, hein, notre cœur de fan, il est fragile. Hein, tu lui mets demain, tu nous sors un Broly Migaté, on va tous, première réaction, oh c'est n'importe quoi. Mais derrière, on va tous sortir la CB. Hein, c'est comme ça que ça marche. Hein. Bon, avez-vous regardé Dokkan? Mais évidemment, le jour de sa sortie. On était là, je sais plus à quelle heure du matin, c'était 6h ou 7h. Oh, on n'avait pas dormi. Pour la personne qui a répondu à la question 13, êtes-vous satisfait de Dokkan Now 3? Si, c'était ça. Si. Ils ont donné des informations qu'on n'avait pas encore accès. Donc c'était cool. Non, j'aime bien regarder les... En fait, Dokkan Now, c'est la seule vidéo Dokkan que je regarde. En dehors des miennes, parce qu'en fait, je suis obligé de les regarder. Enfin, je les regarde pas, mais... Je les lance pour mettre un commentaire, c'est tout. Mais sinon, je regarde pas vraiment de vidéos de Dokkan. Excepté le site officiel aussi. Est-ce que vous aimeriez que Dokkan Now se poursuive? Évidemment. Concernant l'avenir du jeu, quel personnage aimeriez-vous voir apparaître dans Dokkan Battle? Aïe, aïe, aïe. Garlic Junior, les gars. Garlic Junior arrive, les amis. Des personnages qui sont jamais sortis, oui. Ajout de nouvelles raretés pour les personnages déjà sortis. C'est dur. Ajout de personnages qui permettent de jouer plusieurs personnages échange duo. Ah, ça c'est dur. En vrai, la première, moi ça me fait penser à Devil Heroes. Ou Survie de l'univers. Survie de l'univers, il y a plein de persos qu'on n'a pas vu. Après, dans la partie Survie de l'univers, des personnages vraiment intéressants. Il y a Aniraza. Après, tu as les dieux de la destruction. En fait, si je mets ça, je pense aux dieux de la destruction, aux différents anges. Qui accompagne ces dieux de la destruction, Aniraza, et c'est tout. Parce que bon, dans l'arc sur une univers, si c'est pour invoquer pour le petit cafard là, qui est tout petit là, franchement, ouais, je sais pas ouf. Ajout de nouvelles raretés pour les personnages déjà sortis. Ça veut dire Gogeta et CJ4 LR. C'est ça que ça veut dire. Hein. Donc tu regardes ce qui existe déjà, et tu regardes quels sont les persos qui n'ont pas eu de LR. Tu penses à Couleur, tu penses à Gogeta et SJ4, tu penses à qui d'autre? Kefla. Kefla n'existe pas en LR. Donc, c'est dur. Et puis, ajout de personnages permettant de jouer plusieurs personnages. Alors ça, j'aime bien le concept. Échange duo. Ah, c'est dur. En fait, en vrai, faudrait pouvoir cliquer sur les trois. Bon, sinon, je vais en choisir qu'un seul. Je fais un seul. Wow. Ajout de nouvelles raretés. En gros, c'est ça. En fait, c'est des LR pour les persos qui sont déjà sortis. Bon, allez, pour Gogeta et CJ4 LR. Ce que je serais pas fait. Enfin, ce qu'il faut pas faire pour avoir Gogeta et CJ4 LR, les amis. Parce que bon, des personnages déjà pas encore sortis. Il y en a pas 36 000 en vrai. Après, pour un peu de variété, ça peut être pas mal. Bon, c'est quand on va jouer sur la variété. C'est sûr qu'un jour ou l'autre, ils vont nous sortir Gogeta et CJ4 LR. Allez. Et donc voilà. Donc c'est tout. C'est tout, les petits broudeurs. Pouvez-vous indiquer votre idée utilisateur? Oui. Comme ça. Ah oui, c'est vrai. Comme ça, il y a 5 DS à récupérer. Hein. C'est. Voilà. Faites-le, les amis. Ça mange pas de pain. Attends. Pourquoi je peux pas? Ah si. Donc voilà, faites-le, les amis. Ça mange pas de pain. Dites-moi ce que c'est rempli. Après avoir plus de présence de DB Heroes, si ça permet
in fine d'avoir plus de contenu, je dis oui. C'est ça en fait. Parce que bon, je voudrais pas dire, mais Dokkan, j'avoue que le contenu se plie extrêmement vite. Et donc voilà, un peu plus de contenu, voilà, je dis pas non. Après, bon voilà, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas du tout des Bay Heroes, mais encore une fois, il faut. Faut juste voir ça comme du contenu supplémentaire. Tu peux ne pas aimer. C'est comme en fait les personnages fusion. Tu sais, les personnages fusion, Karoli, machin et tout, là, Shaoman, tout ça. Bon, ça a gueulé, mais bon, ils sont quand même là. Et puis. Voilà, on prend. Voilà. C'est, on en est là, les amis, on en est là. Dommage qu'ils n'ont pas parlé. En fait, ils ont fait quand même un sondage que pour des BRO. Ils n'ont pas parlé de. Des futures fonctionnalités pour la pour le futur anniversaire, les 6 ans, qui approche dans 6 mois à peu près, enfin non, 7 mois, 8 mois, ouais, 7 mois, pour la globale, et dans 2 mois sur la version japonaise. C'est dommage, c'est très cool d'avoir je sais pas moi, des petits indices, des trucs qu'on pourrait avoir pour les 6 ans. Bon, voilà. Bon, et sur ce, les amis, le petit pouce bleu de soutien, le petit abonnement sur YouTube. Dites-moi ce que vous avez mis dans le questionnaire, pardon. Sur ce, passez une bonne journée. À très, très bientôt.